Davantage de monde vers le nord. Les grandes vacances touchent à leur fin. Nous sommes allés faire un tour au camping de Marnay en Haute-Saône, où clients et gérants évitent de penser à la météo de cet été, si on peut vraiment l'appeler ainsi. Thierry Chauffour et Tania Gomez. De gros nuages dans le ciel de Marnay, une météo à l'image de cet été en demi-teinte, voire carrément mauvais en juillet. Pourtant, il y a encore pas mal de monde au camping. Pour certains, c'est la fin des vacances. Hakim et sa famille ont passé 2 semaines dans un mobilhome au bord de l'Ognon. À Marnay. L'endroit est sympa, tout ça, même le village en lui-même et tout ça, c'est ça, c'est sympa, ouais. Manquait un peu de soleil. Voilà, il manquait vraiment du soleil, voilà. Voilà. Avec du soleil, ça aurait été parfait, en fait. Voilà. Et puis, il y a ceux qui arrivent du nord pour aller chercher le soleil du sud. Pour ces Néerlandais, Marnay ne sera qu'une étape plus ou moins longue.